Salut à tous, c'est Lune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu qu'on n'a pas fait depuis des années et des... Waouh, je sais plus ça fait combien de temps qu'on a fait la salle sur ta chaîne, ça date en tout cas. Je voulais le refaire parce qu'il y a Mike qui l'a fait en jeu. Du coup je me suis dit, allez pourquoi pas le faire les gars. Et du coup le jeu il est très très simple les gars. Je vais vous donner des indications à faire, donc me ramener des objets, vous allez devoir me ramener des objets. Et tout simplement, bah, les objets là, bah, vous me les ramenez au LS Custom. Le dernier qui ramènera l'objet sera éliminé, ainsi de suite. Donc là vous êtes 28. Et le premier véhicule, le premier truc que je vais vous demander de faire, c'est de me ramener, attention, un véhicule de couleur bleue. Waouh. Donc nos véhicules ne comptent pas, hein. Vos véhicules ne comptent pas. Mais vous pouvez voler un véhicule de couleur totalement bleu, hein, c'est ça? Ouais, bleu. Ouais, c'était ma question. S'il a un peu de bleu, ça passe pas. Faut que ce soit bleu, quoi. C'est ça. Ok. Ah ouais. Donc là, je suis sur l'écran de la salle, mais bien évidemment, je suis tué des écrans si jamais. Bah, je pense que tu peux switch, hein. Moi, je suis déjà là, donc. Donc la salle qui valide, du coup, son... Eden, t'as toujours pas validé? Non. La salle directe, juste à côté, il a trouvé un véhicule bleu. Il y avait 3 personnes aussi qui se battaient. Ok. Du coup, véhicule bleu, les gars. Aziz, ouais, il a triché, bleu, hein. C'est bleu, on est d'accord? Il a fait quoi, Aziz? Bon, par contre, désolé, voilà, c'est bon, sur l'écran d'Eden. Ouais, ça, c'est un petit bleu. Non, c'est bleu, ouais, si, c'est un bleu, ça. Hein. Oui, c'est un bleu. Pour moi, c'est un bleu, hein. Ouais, bah, je sais plus la couleur, mais oui, c'est un bleu. Oui. Bah, après, je peux trouver un autre. Allez, si tu veux. Je vais aller sur l'écran de Gats. Gats, t'as trouvé ou pas? Ouais, j'ai trouvé, j'arrive là. Je viens de le trouver à l'instant. Et bah, alors, je vais rester sur l'écran d'Eden. Et on a un temps ou pas? Bah, non, c'est jusqu'au dernier éliminé. Jusqu'au dernier éliminé. Et là, je vais dire les deux derniers éliminés. Donc les deux derniers éliminés. Vous pouvez me dire aussi Pepa, tu peux me dire si. Qui c'est qu'il y a la police les gars, appelez voir les. Okay. Ouais, mais apparemment ça a ramené un bus. Waouh. Alors qui n'a pas encore ramené de véhicule? Je vois pas beaucoup de personnes là. Je suis mort, on a tous les mêmes véhicules j'ai l'impression. Okay, ouais, toute la police ramène... qu'il y a. Mendy. Xiorki qui a toujours pas ramené de véhicule. Vas-y, la police là, c'est des sons cons. Hein. On a Bourak qui a toujours pas trouvé. Bon bah, Bourak déjà éliminé. Xiorki aussi, j'ai l'impression. Ouais, Xiorki, Maître Marlon, éliminé. Je vais demander, attention les gars. Je vais demander. Nuit va vous demander, les gars, de ramener un. Attention. Une moto. Vas-y, Pierre, la salle. Une moto. Une moto. Ouais, une moto. Les gars, vous vous faites exprès à m'écraser. Pourquoi t'es pas dans un véhicule? C'est ça la question. Mais parce qu'ils me l'ont confisqué, la police. Ils l'ont pris. Je sais pas, ils l'ont mis où. Il y a un gars qui l'a confisqué. Mais non, mais il y a un flic qui est parti avec. Alors, vas-y, là. Qui c'est qui a pas mis son véhicule en tout le monde? Oh, la salle, pas mal. J'ai pas le temps. Il a dégomme le PNJ. Alors, nous, ça bug un peu sur notre écran. Waouh. Non. Non. Aïe, la salle qui se fait dégommer par la police. Mais bon, normalement, il devrait être là, non? Si tu réponds à il devrait être là, mais... Oh, regarde. Ah non, c'est... Bah. Attends, je suis pas sur l'écran, j'ai écran noir, là, pour l'instant. Ah bah, ça m'a changé d'écran. Aïe. Sur l'écran de Dedoom, qui a trouvé une moto, bien joué à lui. Ok, on va retourner sur l'écran de la salle. Je pense que t'as trouvé une moto, pas la salle? Ouais. Ah, il y a quelqu'un dessus. Ah, c'est quelqu'un dessus, ouais. Alors, je vois des gens qui sont LS Custom déjà avec des motos. Ah ouais, ça va vite. Ouais, ça va très très vite. Donc là, du coup, ce sera les deux derniers, les gars. Encore une fois. Voilà, bon, c'était 3, puisqu'il y avait un éliminé, en plus, qui avait triché. Alors, qui ne trouve... Ah, je vois quelqu'un qui a trouvé une moto, je sais pas c'est qui. La salle, il va l'écraser. Bien joué la salle. Non, je cherche, mais c'est. Avec la police, c'est compliqué. Les gars, c'est bien. Eden, t'as trouvé ta moto? Non. C'est compliqué, un moto, les gars. Moto, c'est pas. Tu vois quand même qu'il y en a qui ont trouvé, hein. Franchement. La salle, il l'avait trouvé direct. Mais malheureusement, la police. Moi, je soupçonne des gens de commander leur moto. Ouais, faudrait vérifier quand même. Parce qu'il y en a, non, genre, ils sont dans le club de motards. C'est pour ça que je vous dis ça. Ah, bah, mais normalement ça va pas tricher.
Je croise des gens en sens inverse déjà, ça me... J'ai envie de me tuer. Alors la police qui rend fou, hein, bien évidemment. Elle était là la moto, elle est plus là. Elle a despawn je crois. Regarde, y'a personne sur la route. Ouais, c'est bizarre hein. Parce qu'il y a trop de policiers les gars. Ils sont où les PNJ? Non mais y'a zéro PNJ. Ouais je sais, mais parce que la police... prenne leur place. Qui peut avoir des motos la salle, je pense. Bah si on est plus dans au spawn des motos là, ça va être compliqué hein. Parce qu'on a plus l'air d'être au spawn des motos. Ok ok, bah de toute façon si jamais je changerai, tous ceux qui ont mis des motos ils sont validés, yeah. On va dire. Il y en a que 6 hein, qui ont trouvé des motos à l'heure actuelle. Ouais c'est galère, okay. Moto là c'est hardcore hein. Alors je vais demander du coup les 6 qui ont les motos, vous êtes qualifiés d'office, c'est bon. Et je vais demander du coup à me ramener un véhicule de police. Wouah! Ah, ça va être la guerre en session, mais je veux un véhicule de bah, police. Bah écoute, c'est parfait parce que j'y suis, je roule en véhicule de police depuis tout à l'heure. Ah! Là, ça ne se pas avec des policiers. Regarde, là, c'est celui-là! Allez, venez, venez à moi. Ça va être la guerre, ça va être la guerre dans la session. Waouh! Je vais mettre dans le coin pour que personne. Voilà. Mais ils sont partout! C'est vrai que. Ah, mais là, il y a vraiment la police partout. Alors faites gaffe à pas mourir. Hein. Au cas où tu viens. Ils viennent pas vers moi, la police! C'est quoi ça? Alors, je vois des gens qui sont pas encore arrivés. On a Momo. La salle. Ok, je vais éliminer dans quelques secondes, les gars. Faut se speeder. Bob, c'est bon, moi je suis là, je viens d'arriver. Hop. Oh, pardon, la salle. Vas-y, montrez quoi, la salle? Tunsi éliminé, Spirit éliminé, Jaoki éliminé, et okay, Momo éliminé. Waouh, tous les véhicules de police. Maître Marlon un peu aussi. Trop de temps. Maître Marlon éliminé également. Vous pouvez quitter la session s'il vous plaît. Je vais vous demander à tous, et à toutes, de me ramener, et attention, va falloir être très vif, une oppressor MK2. Ah ouais, mais ceux qui sont déjà dans le club de motards, c'est abusé. Ouais, oh. Ouais, interdit. Ouais, non, interdit les clubs de motards, les gars. Non, non, faut changer. Mais c'est... Le maître du jeu veut une oppressor MK2 et vous devez la ramener, attention, sur la Maze Bank. Alors, vous pouvez commander votre oppressor MK2. Ceux qui ont des clubs de motards, vous pouvez les quitter. Si vous avez déjà votre club de... Bah non, Ah non. Mais t'es qu'il y en a, ils ont même pas des MK2, hein, au cas où. Ah ouais. Pay to win, ouais. J'avoue Matt, t'as raison. Bah ouais. Il y en a qui ont pas du tout des MK2, au cas où. Allez, je suis sur la Maze Bank. On va transformer GTA en pay to win, quoi. Je suis mort de ça. C'est la première fois qu'on fait un jeu pay to win. Mais justement, car grâce à Eldorado, vous avez... Alors voilà. qui n'a pas de les autres ils ont pas de moto du coup là je vois beaucoup de gens. Mais Matt frère je comprends pas, Matt c'est le seul gars, il a 12 milliards de comptes, il gagne des comptes et tout mais il a pas. Bien joué Don. Et Gats c'est éliminé, qualifié aussi Gats. Mais je suis en train de la commander là hein. Elle arrive. Vous savez quoi vas-y les gars, je jette ma MK2 au sol en bas de la maison. Non, donc, non, le non, premier gars reste ici. Elle est éliminée. Il est fou. Ah, je suis mort. Arrête, okay, arrête que... Tu vas me est-ce tuer que tout le monde... Arrête. Ok, je vois du monde arriver. Attention, on va avoir des éliminés. Vous êtes plus que combien, les gars? Vas-y, tire, vas-y. Mais il y en a plein qui sont en dessous encore, hein. Je les vois tous, moi. Kaïs, éliminé. Wouah. Un peu limite, quand même. Je crois que tu peux pas m'avoir, en vrai. Oh, non. On a... Alors, j'ai pas passé, les gars. Là, ça, il a tué tout le monde, hein, et voilà, il fait des bêtises. Fais pas, tu peux pas, fais pas. La salle bannie d'activité. Wow. C'est Eden, là, il me pousse à faire nimp. C'est vrai que ça t'a tenté comme ça, ouais. On a fait des tests, quoi. Les gars, d'ailleurs, il faut qu'on fasse notre test d'avion, là, parce que je dors mal la nuit, moi. Bon, bah, c'est bon, okay. Du coup, moi, je suis sur la Maze Bank, là. Hein. Ok, ouais, ouais, je vais sur l'écran de la salle. Attention, il va falloir être très, très vif. Vous êtes plus que combien, que je sache On est 16. 16, d'accord, 16 personnes. Waouh. Attention, bon, il va falloir être très vif. Les 10 premiers... What? Qui mettent ma tenue... Les 10 premiers qui mettent ma tenue et qui vont au LS Custom seront qualifiés.
Pareil, les gens qui ont... OLS Custom sont qualifiés. Vas-y, fonce, Mike, vas-y. La scène monte. C'est quoi la tenue? C'est quoi la tenue? Masque de chérubin, caleçon, tout simplement. Vas-y, fonce. Masque de chérubin, caleçon. Il est lent. Ben, mon pote, attends. Qu'est-ce qu'on se fait chier, la salle? Je suis sur l'écran d'Eden, là, du coup. Qui est en train de mettre la tenue. Non, Enid, regarde, je vais la mettre en deux, mais j'ai la police, j'ai une étoile, on dirait j'ai 6 étoiles, frère, comment ça part pas? Et ils ont modifié le temps ou quoi? On va aller sur l'écran de... Ah, regarde, Enid, vas-y, regarde, c'est bon. Ah, mais ils ont fermé le point de civis. Ah ouais, la salle. Ah, c'est bon, Eden, sur ton écran, du coup. Ouais, j'ai tout vu, il a tiré sur la vendeuse, il l'a assassiné. On passe plus tard. Je rappelle les 10 premiers. Attends, mais la salle, t'as la tenue au moins avant de faire ça? Non, c'était comme ça, j'ai le temps d'aller la faire là. Je suis à côté. Eden, c'est bon. Il manque pas le masque de chérubin. Tu l'as ou pas le masque de chérubin? Oui, je dois l'avoir. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de masques. Oh, la salle, je te déteste. Je te conseille d'aller au, enfin, au truc, ça sera plus rapide. Première personne validée. Qui? C'est Fantôme. Les gars, il est dans quelle catégorie? Pitié, pitié. Eden, tira beaucoup plus vite. Hein. C'est dans quel truc, le masque de chérubin? Pitié? Visage? Non, c'est pas ça. Oh, personne ne veut me dire. Et je vois des gens qui sont en train de s'habiller, là, deux personnes. Les gars, dans le chat, s'il vous plaît, dites-moi c'est quoi le... Dans le chat Discord, pitié, dites-moi c'est dans quelle catégorie. Les masques chérubins, c'est dans la catégorie festivité. Oh, merci. Mais du coup, on fait laquelle de tes tenues? Comment ça laquelle? Il y en a qu'une des tenues. Hein? Masse de chérubin, caleçon. Eden est en train de chercher une tenue alors qu'il est, ça serait, il serait déjà revenu. Ah, on n'est pas loin, je crois, du masse de chérubin là. Ouais. Hello. Ouais. Bah attends, il n'y a Eden, pas festivité. Maintenant, faut que t'ailles l'excuse, Tom. Mais attends, faut enlever la montre et tout, non? Pas forcément, non. J'ai juste dit masse de chérubin et caleçon. Oh, mais je trouve pas le masse de chérubin, wesh. Je voulais que je vous donne une astuce ou pas? Tu vas dans les masques et tu vas vers la droite, il est pas loin. Déjà, ensuite, maintenant ce que vous faites, vous allez dans la tenue de Saint-Valentin par défaut là, vous prenez un caleçon léopard, le léopard vert, le léopard normal là. Une les fois que c'est premiers, fait, attention. Et vous avez juste à retourner dans la catégorie short, il est juste au-dessus et après vous mettez le masque chérubin, voilà, allez hop. Je vous ai donné l'astuce, maintenant celui qui gagne, il y a intérêt de me donner ce qui gagne. Ok, donc Eden va valider, on va aller sur l'écran de la salle dans quelques secondes. On attend juste qu'il valide, on va voir s'il y a des personnes en même temps. Bah bon, allez, c'est bon. Fantôme. Ah, j'y suis. Il y a que fantôme pour le moment. Mais putain, Eden, c'est validé. Eden. Par contre, bien il y a joué, la police, là, ça rend. Le mec est chaud. Le mec danse la lambada. Et moi, elle va sur mon écran. Et la salle aussi. Alors, attends, la salle. Ah, les chaussures, on peut pas appeler la police. C'est quoi ces chaussures là-haut? Il a dit short et masque, il a pas dit... C'est vrai. Il a dit short et masque, les gars. La salle s'est validée, bien joué. Vous êtes 4 du coup, là. Attention, non, les gars, il reste plus que 6 places. En fait, là, c'est le perso une randonnée, en fait. Ah, par contre, il y en a un qui a, pas la qui a le mauvais truc. Hein. Oh, Nerby, il connaît pas. Oh, il est pas abonné. Oh, il est pas abonné, comment Thirou, ça s'est bon, Thirou, c'est bon. C'est bon? Ouais, Thirou, c'est bon. Ah, il y en a encore un autre qui vient d'arriver. Mojito, c'est bon. Donc là, ça fait 6, c'est ça? Là, ils sont 5. 5. Il reste 5 places, les gars. Je dois semer les flics, putain. Ah. C'est quoi cette merde, encore? Il y a quelqu'un qui a pris ma moto, en plus. Fégito, tiens, Fégito, est-ce qu'il est en train de faire la tenue? Allons voir l'écran de Fégito. Non, gars. Validé. Eden, t'as dit quoi? Tenue Saint-Valentin? Y'a pas. Si, tu vas dans le truc Saint-Valentin. Dans les tenues par défaut. Festivité, vous êtes dans festivité. Jean Fégito, il a la tenue, mais il a pas encore le masque. Je crois que c'est dans festivité, hein. Ou non, il y a tenue Saint-Valentin. Après, dans tenue Saint-Valentin, tu vas dans short, et dans short, tu mets le short nuit. Non, le masque. Oui, et le masque, bah oui, c'est dans... Oui, c'est dans festivité. Non, peut-être pas festivité, j'aurais pensé c'est genre. Saint-Valentin, c'est dans Saint-Valentin, il y a un truc Saint-Valentin. Saint-Valentin, ouais. Saint-Valentin. Donc Fégito qui a toujours pas validé. Reda validé. Oh là là, Suburban fermé, je vais me suicider. Alex validé. Mais non, c'est trop.
C'est bon pour Fejito. Bah, je pense que c'est mort là. Il y en a combien là? Ils sont combien là, Pepa? 8. Il y reste 2 places, précisément. Bah, c'est mort, je pense. Et je rappelle que le premier remportera une carte dédicacée. Waouh, c'est énorme. Ce sera le troisième ou le deuxième. Alors, Fejito, qui a la tenue, qui est en train d'aller vers le LS Custom, les gars. Il reste 2 places, on rappelle. Va-t-il réussir à y aller? Attention, pas faire d'accident. Il est pas loin du LS Custom. Il reste une place. Et je pense que ça va être Fejito, le dernier. Ça se bataille avec Teu Sangoku. Aïe, 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 ça va être Fejito, je pense. Et oui, le malheureusement. Premier sort, le premier qui sort. C'est Fejito, malheureusement. Fejito. C'est bon, on a les 10. Allez, je vais quand même valider Teu Sangoku parce qu'ils sont venus un petit peu en même temps. Je vais pas faire le rat. Alors, les joueurs, mesdames et messieurs, on est parti pour la prochaine manche. Vous êtes plus que 11. Je vais éliminer 4 personnes. 5 personnes pour que vous soyez plus que 6. Et je vais demander à tous les joueurs de me ramener une voiture décapotable. Ok, très bien. Donc une voiture décapotable, bien évidemment, avec carbonizaré, véhicule lowrider, etc., etc. Je suis toujours sur l'écran de Fejito. Ils ont tous quitté la session, ceux qui ont été... Ouais, faut quitter la salle, prends-moi. Et où Fejito qui a trouvé, hein. Oh, la salle, regarde. Juste à côté. Fejito, mais non. Et vous la ramenez au LS Custom, hein, au passage. Fejito, bien joué. Je te jure, la salle est passée devant. Non, décapotable. Nerby validé. Faut mettre en décapotable, hein. Restez dans les véhicules, s'il vous plaît. Je vais aller sur l'écran de la salle. Bonsoir, je suis là. Vous validez pas, moi, parce que c'est moi, en fait. Non. Vous êtes pas validé. Fejito décapotable. Waouh, mais oui, ils ont tous. Alexou est venu. Il y avait Dom. Ils sont combien, là? 2, 4, 6, 7. Ils sont 7, là. Ah, bah, c'est fini. Tous les autres sont éliminés, malheureusement. Nerby, t'arrives en... T'étais dans les premiers. Vas-y, la police, là. C'est qui le 6ème qui est arrivé? Tu sais pas c'est qui le 7ème? Ah, ça, il a quitté la session. Il s'est fait éliminer. Il s'est fait éliminer. Bon, allez, vas-y, on va les laisser les deux parce que sinon ça va faire trop d'embrouilles bizarres. C'est pas grave. Du coup, vous êtes plus que 7, c'est ça? Les gars, on est reparti. Je suis sur l'écran de Aiden. Dis-moi. Ils sont 7. Plus que 7. Et là, je vais passer directement à la demi-finale. Donc, les 3 premiers qui me ramèneront. Attention. Parce que là, ça va être très très compliqué, les gars. Un avion de chasse. Waouh! Ah oui! Un avion de chasse pour les 3 premiers. Et une fois qu'ils sont dedans, je veux qu'ils le posent à l'aéroport de Trevor. Moi, je propose que tu rajoutes une règle, Nuin. Ouais. Il faut que l'avion il arrive. Faut pas qu'il soit explosé, quoi. C'est-à-dire que quand ils doivent atterrir, faut qu'ils atterrissent calmement. Ah bah après. Oh, mais ça, ils y arriveront pas, ça. Ouais, mais c'est ça qui va être drôle. Avion de chasse. En mode zéro fumée, quoi. Un laser, hein. C'est un laser, un avion de chasse, je rappelle. Mais comment ça, un avion de chasse? C'est un avion de chasse, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Attention, il y a que les. Entendu. Je suis sur l'écran d'Eden. De toute façon, il y a que le laser qui est accessible. C'est un avion de chasse, les gars, vous racontez quoi? Tous les avions qui tirent, en fait, c'est un avion de chasse. Ouais, mais il y a que le laser qui est disponible. Il y a que le laser qui est disponible en libre service. Bah alors, moi non, j'ai un Hydra. Après, tu peux prendre ça, Eden, pour aller chercher, hein. Mais tu l'as acheté, l'avion de chasse, les gars, c'est un Hydra. Mais tu l'as acheté, l'Hydra, il faut trouver. Je veux un laser. Un avion de chasse, je veux un laser. Je veux tu veux un laser, t'as qu'à aller en bas de la Tour Eiffel, ils vendent des lasers verts, frérot. Qu'est-ce que tu me. Alors, on est sur l'écran d'Eden. Est-ce que je vois. Je vais mettre un peu la carte, je vais voir s'il y a des gens qui sont près de la base militaire. Pour l'instant, il n'y a personne près de la base militaire. Ici, il y en a un. Il y a Demdoum. Demdoum est dans la base militaire déjà. Ah. Je le vois là. Mais moi je vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est dans l'avion de chasse. Il décolle. Eden, t'es où? Moi? Ouais. Bah je vais aller chercher mon avion de chasse. Ok. Alors qui c'est qui est vers la base militaire là? Demdoum, c'est ça? Demdoum, il a déjà décollé. Il est à la base militaire? Il a décollé, ça, il est parti.
Attendez, je vais aller. Comment il a été aussi vite là-bas? Il a une maison ou quoi? Je sais pas, mais en tout cas, il a pris le. Unwin. Ouais. Il y en a qui ont eu un bug de Vok, donc ils ont pas entendu ce que t'as dit. Bah oui, on a tous rien entendu. Avion de chasse. Là, regarde, je vais te dire, il y a Nerby qui vient tout juste de partir, Fejito, aïe. Alexou aussi. Ah bah, je suis désolé, les gars. Mais Demdoum a validé, c'est le premier qualifié, bien joué à Demdoum. Demdoum validé. Demdoum, il a les infos à l'avance, hein, à mon avis. Hein. Ça va être la team girafe, ça encore. Hein. Alors, Demdoum, c'est validé. Qui c'est qui est pas loin de. Je vois quelqu'un là, Mike. Fantôme bleu, il arrive. Fantôme bleu, je vais sur l'écran de fantôme bleu. Mais c'est trop une dinguerie. On va aller sur l'écran de fantôme bleu. Mais il se pose là, il arrive. Fantôme bleu qui se pose également. Bien joué à fantôme bleu. Et il reste plus qu'une place, les gars. Il reste plus qu'une place. Pourquoi ils partent au sud? Nuin. Ouais. Tu viens sur mon écran, je pense. Hein. Eden, qu'est-ce que tu... Bah, je sais pas, t'es... Je te vois pas. Attends. Tu vas me voir. Aéroport de Trevor, parce que je crois que en fait, ils avaient pas entendu. Faut le ramener à l'aéroport de Trevor, les gars. Donc, il quitte la VOC. Alors, je vois Eden qui a un laser, effectivement. Mais moi, il est mieux. T'as dit un laser bleu, j'ai pris un laser bleu. Par contre, je vois Bob Mojito. Il y en a 4 là qui arrivent. Dirige Bob Mojito. Va falloir regarder c'est qui le premier, les gars. Eden, malheureusement, tu vas être éliminé, je pense. T'es trop loin. Ouais, ouais, mais ils ont triché, ils habitent tous là-bas. Mojito, alors, il se pose. Il se pose actuellement. Fais attention. Moi, je pense que le mieux serait qu'il se pose à l'envers, comme ça. Et c'est fini, Bob Mojito qualifié. Nous avons les 3 finalistes. Les autres, pouvez tous quitter, s'il vous plaît. Bob Mojito, c'est Demdoum. Et du coup, le dernier, c'est Fantôme. Vous pouvez descendre de votre véhicule. Bien joué. La finale. C'est la finale, c'est la finale, les gars. Ça sera la dernière manche de cette activité. C'est la salle. Attention pour cette dernière manche, mesdames et messieurs. Tout le monde est ouais, c'est bon, tout le monde est tout le monde est côte à côte là. C'est bon, on a un temps des instructions. Alors, je vais demander à tout le monde de me ramener un tank. Oh, wow, ah oui. Le premier qui monte dans un tank est gagne du coup. Et juste monter dedans. Voilà, il monte dedans. Mais ils ont le droit de le commander? Le premier qui me ramène un tank, ah, okay, remporte la partie. En gros, ça veut dire oui. Sa carte est cassée, bien évidemment, avec. Mais ils ont pas tous des cartes dédicacées dans le serveur déjà? Quasiment, quasiment. Et qui les 3 finalistes? Demdoum? Demdoum, Bob Mojito et Fantôme Bleu. Eden, t'as perdu à quelle manche? Ah, l'avion de chasse, je crois. Ouais. Dommage. Mais bon, comme il y a de la triche, ça compte pas, c'est ça? Bah oui, il y a... Je suis sur Demdoum, là, qui se dirige vers la base militaire. Militaire? Militaire, pardon. Militaire? Militaire, pardon. Il y a la base milito et la base militaire. Une nuit, on a un gagnant. Qui? Fantôme bleu, il a le tank. Fantôme bleu, attention, je vais sur ton écran. Écran si tu veux. Alors, ce n'est pas un tank, ça. C'est un. C'est un Khanjali. C'est un Khanjali. Alors, aïe, aïe. Fantôme bleu. Un tank, c'est un Rhino tank, bien évidemment. Je ne parle pas d'un tank. Ça, c'est pas un tank. C'est dommage, un tank en soi, mais c'est un. Ce que je demande, c'est un Rhino tank. Alors, on est sur Doom Doom qui a la base militaire. Toujours. Ouais, le fantôme bleu, il bouge pas. Deux à la base militaire. Je crois qu'il fait la gueule. Ah,
Oh. 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 Oh, Demdoum. Oh, Demdoum. Oh, c'est bon. Demdoum. Oh, c'est incroyable. Bien joué, Demdoum. Il a volé le tank. Oh, c'est qui beau, remporte c'est et vole le tank. Bien joué à lui. Incroyable. Alors, il a profité de... Je sais pas c'est qui était dans, le... dans la base militaire. Qui s'est tuer. Bon, Mojito, ça. Mojito, ouais. Bah, dommage. Et bah, bien joué, Demdoum. Tu remportes cette première partie. Bien joué à toi. Tu peux m'envoyer ton adresse et ton nom et prénom en privé.